The Lord is just this, you live in this place, the Lord is just this, you have to be strong there, you have to be strong there, you have to be strong there, on the supercandidate, every faith in the supercandidate, every faith in the supercandidate, say it to Sissy, take a step in God, you want to be on the sun, you must have said, He says, the guy I might say, the guy I can say, God is like this, God will talk mother, will talk mother, will talk mother, to my friend with any disease, all the super left and God, say this, get to sacrifice, you listen to me, oh God, we say, with the son of man, tout mon miracle, tout mon témoignage, que l'ennemi va essayer de toucher dans le 4 mois là. Que le feu de Dieu localise le miracle que je n'ai pas encore reçu depuis janvier. Le témoignage que je n'ai pas encore reçu depuis janvier. La joie que je n'ai pas encore reçu depuis janvier. Toi, 7-4 mois. Vomis-toi de tes sources. Au nom puissant de Jésus, prière. Merci notre Père. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit of God. Seigneur Jésus, je te glorifie. Nous sommes encore là ce soir, Seigneur Jésus, pour communier, manger avec toi, Seigneur Jésus. La Bible dit, où est celui qui est soif? Viens, qu'il dit, je vais te donner l'eau. Et l'eau que tu vas boire de moi, il dit, cette eau, quand tu bois ça, tu ne vas pas jamais soif encore. Seigneur, nous sommes là, on veut boire cette eau. Visite-nous, parle à nous, ouvre notre yeux. Seigneur Jésus, qu'à la fin de cette réunion, que toute gloire revienne à toi. Seigneur Jésus, par ta parole, tu dis tout ce que tu aimes, tu les châties. Seigneur Jésus, ta parole, c'est là pour nous corriger, pour nous réarranger, pour nous reprogrammer pour ton lecture, pour nous faire des voies, trouver là où le diable nous a été trompé depuis longtemps. Là où le diable a été de nous prépare pour aller à la fin, pour nous réacheter et pour nous positionner pour l'enlèvement. Viens faire ton offre. Allez-y dans le Seigneur, dans ta parole. Apprends-nous, ouvre notre yeux et glorifie ton nom dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, avant prière. Amen. De plonger notre vie dans le sang de Jésus-Christ. De plonger les enfants dans le sang de Jésus-Christ. La route, notre voiture, notre maison, de plonger tout dans le sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, guide-nous et protège-nous. Que les anges de guerre de Dieu restent avec nous. Que Dieu lui-même, Jésus-Christ, manifeste toi-même. Reste avec nous. Saint-Esprit, continue à renseigner-nous. Tu es l'esprit de la vérité. Tu es l'esprit qui ouvre les choses cachées. Parle à nous dans ta révélation. Au nom puissant de Jésus, avant prière. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, avant prière. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Par la grâce de Dieu, on va aujourd'hui c'est le deuxième part du message qu'on a commencé lundi passé. Qu'est-ce qui est le mariage? Alléluia. Qu'est-ce qui est le mariage? Ça, je vous dis, c'est un message qui a déjà envoyé mariage. Beaucoup sont déjà à l'enfer à cause de mariage. Alléluia. L'Église a dit de renseigner ça comme la Bible dit Jannès et Jambres. Apôtre Paul nous dit Jannès et Jambres. Alléluia. De Timothée chapitre 3. Jannès et Jambres. Le message des faux doctrines. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on doit regarder notre YouTube, le premier pas est là-bas pour éviter de prendre trop de temps. Alléluia. On va voir comment le diable a détruit l'église de Dieu, détruit toute l'affaire de Dieu à cause des faux messages de mariage. Alléluia. Dieu, il veut que nous on corrige notre vie bien, tous qui voulait rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a parmi nous qui a mal conseillé les autres. Il y a parmi nous aussi, dans notre famille, à travers de cette mariage, on va voir pourquoi le mariage ne va pas. Alléluia. On va voir que parce que on n'est pas, nous, la mariage dans notre famille n'est pas établie dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cela que quand la Bible dit quand la fondation de Dieu est détruite, qu'est-ce que Dieu doit faire? Donc notre fondation était déjà détruite à cause de l'affaire du mariage. Parce que le mariage c'est très très important dans la vie, parce que c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Alléluia. Le premier pas, quand vous écoutez ça, vous allez voir. Personne, gouvernement, président, riche, pauvre, le pays riche, le pays pauvre, le pays civilisé, le pays qui n'est pas civilisé, personne, personnalité, personne ne connaît pas l'affaire des mariages. Alléluia. Personne n'est pas là-bas le temps que Dieu il a dit. Et on va crier non à notre image. Il n'y a pas quelqu'un qui est là. Et dans notre première part, on nous dit, Dieu a établi le mariage avec son principe. C'est ça, non? Principe. Alléluia. Principe de Dieu. Sans demander quelqu'un. Sans demander la permission. Sans modification. Et quelque chose qu'on va apprendre dans ce. Encore, de nouveau, aujourd'hui. Toute chose que Dieu lui-même il a instituée ou établie, que l'homme aujourd'hui a train de modifier, c'est là que notre problème a commencé. La loi de Dieu, personne ne doit pas modifier. Et personne ne doit pas toucher. C'est soit que tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Et si tu n'acceptes pas, la condamnation t'attend. Et si tu acceptes, c'est pour toi, c'est ta bien. Et tu vas gérer ça à la fin. Alléluia. Donc, c'est pas une institution que l'homme doit faire n'importe quoi. L'État ne doit pas faire n'importe quoi. On ne doit pas même toucher n'importe quoi. Alléluia. Que Dieu nous aide dans les esprits aussi. Et plupart des État qui connaît l'affaire des mariages, que c'est Dieu qui est dedans. Si l'affaire des divorces vient, par exemple chez moi, avant qu'il va accepter ça, même à la tribune, avant de dire d'abord, va aller le tu voulais divorcer, tu es sûr, on va te donner le temps pour aller réfléchir. Parti d'abord. Va réfléchir. Alléluia. Quelqu'un va venir, quelqu'un va envoyer, quelqu'un va venir.
te renseigner bien. Ça que tu voulais aller faire. Amen. Par exemple, si tu aides aussi, s'il y a, parce que la police aussi, il y a des gens qui sont maintenant nés de niveau, dans notre pays bien. Il va, si tu es des policiers, il va t'appeler. Ça que tu es chrétien, tu dis oui. Chrétien, tu dis oui. Tu pries où? Tu pries où? Quelle église tu parles? Si ce n'est pas une église, il va te dire. Va dans l'église, va aller prendre l'enseignement avant que tu viennes ici, que tu veilles. Tu veux te divorcer. Amen. Que Dieu le aide dans le Jésus-Christ. Mais dans le gouvernement, c'est comme ça. C'est pas une chose qu'on, comme on a envie de voir ça ici, et on fait ça n'importe comment. Mariage, c'est pas comme ça. Alléluia. Et les enfants, les deux, ils sont habités sous ça. Et c'est pour ça que trop de choses. Même dans l'église, même les pasteurs, même, ils séparent, ils séparent le mariage et détruisent le mariage. Alléluia. On va continuer par la grâce de Dieu. Première part, et dans le YouTube, il y a beaucoup de gens en train de regarder, il y a beaucoup de questions aussi. On va régler que Dieu nous parmi, donne-nous l'aide pour faire tout ça. D'abord, on va continuer là où je vais d'être arrêté. Alléluia. On avait parlé de le temps de séparation. Alléluia. Séparation. Quel est le temps que on peut séparer? Alléluia. On va aller voir dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. On va lire le 4. The wife had not power of her own body, but the husband, and likewise also. The husband had not power over on his own body, but the wife. No, thank you. Defraud you not one the other, except it be with consent. For a time, that you may give yourself to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinence. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alléluia. Alléluia. Si vous voyez ici, là, ça qu'elle a fait parler, comme on a. Le premier pas, on avait arrivé là-bas. Alléluia. Il a dit, le temps de séparation, comme les gens ont appris des divorces, il n'y a pas de divorce, La séparation, je vous dis, dans le premier pas, que s'il y a le problème, ah, mon mari, il est orthotique, ah, mon mari voulait me tuer, le sang va couler dans cette maison. Le sang va couler dans cette maison. Ah, la tête des femmes là, le mari il va couper ça. Oh, la femme il va couper la tête de sa son mari. Si on voit que cette situation c'est dangereux. Alléluia. Celui qui vient seulement pour faire notre sortie. Alléluia. Il fait sortir. Il fait sortir pour lui, pour arranger cette situation. Alléluia. C'est pour arranger cette situation. C'est pas, il n'y a pas de divorce. Il dit là-bas. C'est
il dit, la séparation-là ne doit pas prendre trop de temps à aimer. Parce que, dans quelques jours ou le moins, tu dois réguler cette affaire et vous les ramener encore. Allez. C'est pas le temps pour dire, prends ton il voulait te tuer, comment tu vas rester là-bas? Hein? Tu es encore jeune, tu es encore ça, tu es encore. Comme toi et les autres. Ah, pas une fière! Il y a un autre monsieur qui t'attend, qui tu as oublié. Le monsieur là qui te cherche le temps que tu es à l'université, il a dit de l'étranger toujours, il me donne toujours l'argent. Ah, il a l'argent, hein? Il est riche, tu as en train de souffrir là-bas, regarde comment tu es. Le temps que tu as quitté ici, tu es très belle, maintenant regarde comment tu es. Lui quitte là-bas! Non. Allez. Le mariage, c'est le mariage. Alléluia. Donc, si on a la qualité de personne ou la qualité de cette genre de parents, il n'est pas né de niveau. Et s'il est né, s'il croit qu'il est né de niveau, il ne connaît pas la parole et la fête du mariage. Alléluia. Et vous avez montré les gens qui disent que l'État dit. La Bible dit dans Isaïe 9, 6. Il a dit quoi? Et donne votre Bible. Donc, la Bible de français, c'est 5. Il a dit l'État, le gouvernement serait dans son bras. Ça, c'est Jésus-Christ. Donc, l'État qui t'a dit de divorcer là, Jésus-Christ, c'est lui-même qui contrôle l'État. Après que la Bible dit, c'est lui-même qui l'a mis dans l'autorité. Donc, ce n'est pas lui qui va décider les institutions que Dieu lui-même a établies. Alléluia. Donc c'est pour cela que tous ils sont échoués. On va voir dans la Bible aussi. Toi qui as fait la loi pour séparer, Dieu va te juger le jour-là. Parce qu'il a dit quoi? On a vu dans le Malachie 2, il dit, je n'aime pas divorce. Malachie 2, 16. Il dit, je n'aime pas divorce. La fin de divorce n'est pas dans la Bible. Genèse jusqu'à la fin. Il n'y a pas de divorce. Dieu ne veut pas de divorce. N'importe quel mariage. Mariage, c'est mariage. L'identité, c'est confirmé. Entre les deux parents et vous. Vous avez confirmé. Mariage ne doit pas être entre toi avec ton copain. Alléluia. À cause de la sucre, il est père, il est ça. Vous avez accepté mariage entre vous. Si le parent me dit non, on va voir son sœur aujourd'hui. Il faut laisser où. Il rentre pas à la fin où. Quand le parent me dit non. Alléluia. Quand le parent me dit non, il faut aller prier bien. Priez-vous bien. Si son continue de refuser, laisse. Exode 22. Exode 22. Alléluia. Parce que la voix des parents, c'est la voix de Dieu qui a été parlé. Donc peut-être qu'ils ont vu quelque chose là-bas. Peut-être que toi, tu ne vois pas à cause du sexe ou l'amour. Allez, parce qu'ils sont en train de dire que l'amour, ça affreint nos yeux. Ça rend nos yeux aveugles. Mais les parents, ils sont déjà les sirènes, ils sont les yeux n'est pas aveugles encore. Donc si tu es aveugle, les parents n'est pas aveugle. Il va voir les choses avant toi. Il va dire non, mon fils, ma fille, il ne peut pas aller. Mais toi, tu ne vois pas parce que tu es encore aveugle. Mais lui, ils sont déjà passés dans cette expérience. Donc, il va voir les choses bien plus que toi. Alléluia. Pour éviter les choses qui peuvent arriver demain. Parce que tous les vrais parents veulent que les enfants, quand ils rentrent dans le mariage, ça qu'ils veulent attendre toujours, c'est la paix. Malgré tout le problème du mariage, il y a le problème quand le parent va te dire qu'il faut supporter, c'est comme ça le mariage, il est. Alléluia. Et donc, elle est dans le Jésus-Christ. Exode 22. On va toujours revenir dans cet exode aussi, il y a beaucoup de révélations là-bas. Exode 22, verset 16. 16 et 17. Il nous a dit quoi là-bas? Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancée, et qui couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot des vierges. Alléluia. Vous avez vu, non?
Donc, le parent est très physique. Alléluia. Le parent, il est épuisé et toi, non. Non, ma fille, non. Et mon fils, non. Tu ne poserais pas à cette fille. Je ne suis pas d'accord. Même si vous avez déjà fait tout le bêtises là, ça. Mais non. Si c'est un homme, le parent me dit, ok, comme tu as fait ça, viage, c'est viage dans le Seigneur. Il y a ça qu'on appelle viage, c'est pas seulement le temps que tu as, comment on dit ça, disvagé les femmes. Viage, et toutes les femmes, imitez-y, quand tu as, même si tu connais déjà les hommes avant, et tu as accepté Jésus-Christ, tu as gagné le niveau, à partir de 16 jours, tu es viage. Alléluia. 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 Tu es vierge. Alléluia. Il y a vierge spirituelle, il y a vierge physique. Alléluia. Donc, Alléluia, tu es vierge. Donc, n'importe quel homme ou n'importe quel, même les hommes aussi, c'est la même chose. Il rentre après, là, tu dis, tu voulais marier. Les parents disent non, ça. Les parents disent, dit, ok, parce que tu as fait ça. Oui. Oh ma fille, tu dois payer ça. Alléluia. Donc ça que tu dois faire, commence à négocier. Négocier. Ce n'est pas quelque chose pour entrer dans la guerre. C'est la parole de Dieu, c'est dans la Bible. La négociation. Jusqu'à le temps que le parent va dire, ok, on accepte ou on n'accepte pas. Alléluia. Et Dieu le fortifie au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que le mariage, il est. Ce n'est pas quelque chose que le parent, il a l'autorité, autorisée par la Bible, par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Ce n'est pas que le parent lui dit non, tu as pris cette fille, vous avez disparu. Ou tu as pris cet monsieur, celui que Dieu voulait a disparu. En tant que le parent n'a pas dit oui, parce que oui, le parent, c'est une bénédiction. Alléluia. Oui, le parent, c'est une bénédiction et c'est la voix de Dieu. Alléluia. Donc, si il n'a pas dit oui, vous êtes à vous-même et tout ça que vous allez arriver là-bas, c'est au contraire. Alléluia. C'est au contraire. Parce que Dieu n'a pas encore dit oui. Parce que Dieu attend le parent. Que le parent décide. Alléluia. Si le parent a dit oui, Dieu lui-même a assuré cette oui. Il doit le fortifier au nom de Jésus-Christ. Il doit le fortifier. Donc, le premier pas de vous dit le mariage, c'est quand les parents sont déjà d'accord. Le mariage est déjà fait. C'est déjà fait. C'est pas. Toutes les autres cérémonies, c'est nous qui avons ajouté ça. Mais immédiatement, les deux parents, ils sont déjà, ils sont d'accord, on accepte. Parce que vous savez que le temps qu'ils vont être aussi d'accord, il y a déjà la prière qui va sortir dans les bouches. Il y a la prière. L'être d'accord, c'est pas seulement dire oui, il va aussi bénir les deux. Alléluia. Donc le mariage est déjà confirmé. Il doit le fortifier au nom de Jésus-Christ. Il doit le fortifier. Donc ça, c'est ça. Donc le temps de séparation, c'est le temps. S'il y a un problème, vous séparez pour régler cet problème. 1 Corinthiens 7 là, il dit, il ne doit pas prendre trop de temps. Alléluia. Par exemple, il y a chez moi, il y a on a envie de faire quelque chose. Si il y a un problème, si le problème là est trop grave, des fois si c'est le mari ou si c'est la femme, ça qu'on a envie de faire, appelle le parent et avec tes parents, on va aller expliquer ce qui est en train de passer dans ce mariage. Donc si il y a parmi une unité qui ne comporte pas bien. Donc, si on voit que l'autre est dangereux, ça qu'il fait, c'est faire l'autre
Quittez, il revient chez son parent. Alléluia. Donc, s'il vient là-bas, c'est pas pour rester, c'est pour que le parent commence à négocier et arranger cette affaire. Quand tout se bien arrangé, la personne retourne dans son foyer. Alléluia. C'est pas, on ne séparait pas. Et à propos, il a dit quelque chose sur cela aussi. Il dit aussi, c'est aussi le temps de jeûner et prière. Alléluia. L'autre prie là-bas. L'autre prie là-bas. Si c'est le mari, peut-être le mari ne connaît pas Dieu. Il nous a expliqué ici là aussi que toi, femme, tu voulais quitter dans ton foyer. Parce que ton mari, il n'accepte pas pour déjeuner dans sa religion. Peut-être sa religion, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Il dit, si tu as accepté pour rester, si ton mari ne te dérange pas, reste. Ne peux pas quitter. Alléluia. Reste là-bas. Donc, si c'est toi qui connais Dieu et ton mari ne connaît pas, tu sais qu'il ne veut pas jeûner. Peut-être qu'il a de boire, de chercher les autres femmes, et faire n'importe quoi. Est-ce que toi, tu fais le temps qu'on te fait sortir là-bas à cause du danger, tu restes dans la prière. Ce n'est pas le temps d'aller raconter, en train de parler des choses, à chercher n'importe quel ami. Non. C'est le temps que tu rentres dans le jeu de prière. Que Dieu change ton mari. Alléluia. Même les hommes aussi, c'est comme ça. C'est le temps que tu rentres. Si c'est le mari aussi qui connaît Dieu et sa femme ne connaît pas, c'est le temps qu'il rentre dans la prière. Au lieu de prier et demander Dieu, va aller toucher ma femme. Alléluia. Ce n'est pas le temps pour parler. Qui va même. Parce que trop de parler, même, il va même acheter plus de feu dans cet mariage. Et si vous n'avez pas fait attention, c'est la fin de cet mariage. Alléluia. Et de le fortifier. C'est ça qu'apporte quoi de l'expliquer ici. Donc, c'est le temps du mariage. Et il a dit quoi? Il a dit le cinquième, il a dit. Il dit pour éviter la tentation de Satan. Alléluia. Éviter la tentation parce que le temps de séparation là, si vous n'êtes pas vraiment dans la prière, le diable, il va amener la tentation. Le mari peut commencer à chercher d'autres femmes. Et la femme aussi, il peut commencer à. Les hommes vont commencer à venir. Donc si c'est très doué, la tentation ira des hommes. Et parmi eux, il va commencer à coucher avec un autre homme. Alléluia. C'est cela que c'est pas nous. Le temps est resté trop long. Temps. Et Dieu le fortifie dans le Jésus-Christ. Et Dieu le fortifie. Alléluia. Amen. 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 Et on continue. Those who. Ok. Alléluia. On va regarder. Deuxième point. Situation, you are free to marry another. Alléluia. La situation maintenant que tu es libre pour marier un autre. 1 Corinthiens 7 aussi. On va commencer par verset 12. Situation que tu es maintenant libre pour marier un autre. Alléluia. Ça, c'est une situation très très importante. À partir de 12, on peut lire jusqu'à 17. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Okay. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Continuez. 12 à 17. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement,
Que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon la paix qu'il a reçue de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Alléluia. Il dit à la fin de 17 ans, il dit, c'était comme ça que c'est ordonné dans toutes les églises. L'église de Jésus-Christ, la vraie église de Dieu, doit suivre cette loi. Alléluia. Parce que Jésus lui-même, il a dit quoi? Dieu, apôtre Paul, c'est pas seulement un homme, mais il est un prophète. Il est aussi parmi les prophètes de la Bible. Alléluia. Jésus dit, il ne sont pas venus pour annuler la loi de mon père et la loi qu'il a donnée de prophète qui est écrit dans la Bible. Il dit, Jésus est venu pour accomplir tout, pour parfait tout. Alléluia. Jésus, c'est la perfection de la loi de Dieu. Amen. Donc, il dit, à la fin de 17, il dit, c'est comme ça que ça doit être dans toute l'église. Si cette église, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est comme ça que ça doit être. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il y a quelque chose, première chose d'abord. Il a parlé ici, il dit, Ce n'est pas moi, mais c'est moi. Oui, il dit c'est lui. Mais à la fin, parce que c'est il est prophète. Alléluia. Il a parlé des choses. Et maintenant, l'Esprit de Dieu qui est en lui. Rappelle qu'il nous a fait comprendre que Dieu donne 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 2. Il dit, je n'ai pas le mystère de Dieu caché. Caché. Et les sagesse, les gens qui sont sages, je ne connais pas. Alléluia. Il dit la parole que Dieu parle, ce n'est pas pour attirer les gens. Alléluia. Ce n'est pas pour que les gens m'acclament. Je vois beaucoup de gens, quand le pasteur prie, les gens ont été acclamés, assis, à l'aise, acclamés. Un jour, j'ai regardé, l'Esprit de Dieu commence à me demander que tout le temps de Jésus-Christ il prêche. Est-ce que tu as déjà vu Jésus-Christ prêche que les gens acclamaient? Tous les apôtres de Jésus-Christ, est-ce que tu as dit, est-ce qu'il y a là où c'est écrit dans la Bible qui sont prêchés et les gens acclamés? Parce que quoi? La parole qu'ils prêchent, c'est la parole qui brise le cœur. C'est la parole qui attire les gens à le Seigneur. Donc la parole qui attire les gens à le Seigneur, on n'est pas même avoir la force pour acclamer. Alléluia. Alléluia. Donc, ils disent tout ça qu'ils sont en train de prêcher, que nous avons le pasteur prêcher, les gens vont aller, les gens vont acclamer, commencer à dire, pasteur, continue. Ils disent ça là, c'est la parole qui motive les gens. Les politiciens dans l'autel de Dieu. Les politiciens sur l'autel de Dieu. En train de motiver les gens pour les voter. Alléluia. Ça, c'est pas la parole de Jésus-Christ. Il doit le fortifier dans le Jésus-Christ. Il doit le fortifier. Donc, il a dit, il nous a dit de faire comprendre ici. Ça, c'est une situation qu'on peut imaginer. Il dit, si la personne qui ne croit pas, qui n'est même pas notre religion, avec on a marié, maintenant on a accepté Jésus, si la personne ne voulait pas rester, il a décidé pour partir. Alléluia. Laisse-le partir. Ah, quand ta religion là, moi je ne vais pas supporter. Je ne vais pas supporter, c'est trop. Ah, tout le temps, je disais, tu continues. Rappelle, il a dit quelque chose. Il dit que toute chose soit dans la paix. Alléluia. Il dit que toute chose, si vous regardez le 15. But God has called us to peace. La dernière phrase de 15. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alléluia. Ça veut dire que si les choses comme ça arrivent, continuons avec la paix. Ah, mon mari, pourquoi me laisser? Non, c'est Jésus-Christ. Continuons dans la paix. Et ma femme, pourquoi me laisser? C'est Jésus-Christ. C'est bien, c'est là, c'est le soumet. Continuons à dire la vérité. Parce que c'est ce qu'il a dit. Toi, femme, est-ce que tu sais si c'est toi qui vas sauver ton mari? Ça veut dire que pourquoi tu voulais lui quitter? Toi, homme, est-ce que tu sais si c'est toi qui vas sauver ta femme? Ça veut dire que pourquoi tu voulais la laisser? Donc ça veut dire que tu dois
être avec elle, avec la paix. Parce que Dieu qui t'a appelé, Dieu que tu as donné ta vie, c'est Dieu de la paix. Toute chose doit être dans la paix. Pour gagner cette âme. Alléluia. Mais si tu fais tout la paix là, il refuse, il voulait partir. Il dit, laisse la personne partir. Dans ce cas, il dit, tu n'es pas lié. Alléluia. Dans ce cas, tu n'es pas lié. Parce que dans cette affaire, tout le temps que vous avez dépassé, toutes ces choses-là, il y a quand même le témoignage. Les parents testifient. Les églises testifient. Même l'église testifiait que tu as déjà fait tout pour avoir la paix. Mais comme il a décidé pour partir, ok, il n'y a pas de problème. Alléluia. La Bible, il a dit là-bas, il dit, dans ce cas, tu n'es pas lié, tu es libre. Alléluia. Maintenant, tu peux maintenant aller remarier. Donne le Seigneur. Alléluia. Donne le Seigneur. Ce n'est pas encore aller chercher encore un autre pariage. Pas maintenant encore le problème encore. Demain encore, il va partir encore. Tu vas encore aller chercher tout dit. Tu vas maintenant commencer à utiliser cette opportunité pour toucher toutes les femmes partout. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. C'est dans le Seigneur. Et de le fortifier dans le Jésus-Christ. Et de le fortifier. Et il y a un autre point là qu'il a parlé. Il a dit, ce point là, il y a une question aussi qu'il dit déjà reçoit dans ce point. Donc il a dit, tu ne sais pas que, il dit, la femme qui est de niveau, il est sanctifié, il a sanctifié son mari. Et sanctifié aussi les enfants. Les gens, ils sont en train de mal comprendre là-bas. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible a dit d'expliquer là-bas? Vous savez, si c'est la femme qui est née de nouveau, donc ça veut dire qu'il a déjà l'esprit de Jésus-Christ dans cette famille. Hein? Le fait de Dieu, la présence de Dieu dans sa vie, il couvre tout le monde. Alléluia. Il couvre tout le monde. Quand le dimanche voulait rentrer dans cette famille, si la femme là c'est chaud pour le Seigneur, le dimanche ne veut pas rentrer dans cette maison. Il va attendre le monsieur dehors. Parce que quand il veut rentrer dans la maison, il va dire aux autres que tu ne sais pas que sa femme est vieille. Moi, je ne rentre pas dans sa maison. Mais on va l'attendre dehors. Donc, cette maison, c'est sanctifiée. Les enfants aussi, si les enfants aussi ne peuvent pas accepter Dieu, à cause de leur maman qui connaît Dieu, qui prie, ils sont aussi sanctifiés. Sanctification, là, c'est protection. Alléluia. Mais, c'est pas ça qui va les amener aussi. Il ne rentre pas aussi, il n'est pas répandu. Parce que quelqu'un m'a déjà posé cette question. C'est pour ça que tous les jours, il me fait ça, montrer ça. C'est pas. La purification de leur maman ne veut pas les appeler aussi. Alléluia. Donc, mais dans la terre, ils sont protégés parce que la présence de maman ou de papa dans cette famille, il peut, avec cette fille de sanctification, il peut faire les enfants ou le mari pour venir au Seigneur. Alléluia. C'est ça, c'est pas pour rentrer aussi. Si le mari ou cette femme continue de refuser, il refuse d'accepter Jésus-Christ, il refuse, il va terminer. S'il meurt dans son désobéissance contre le Seigneur, il va aller en enfer. Et les enfants aussi, s'ils sont déjà passés âge que Dieu lui-même il a reconnu que les enfants ils sont libres pour rentrer direct. S'ils sont dépassés cet âge, ils sont déjà rentrés âge de connaître les mauvaises choses et les bonnes choses, ils sont aussi les jugements, ils sont en temps. Alléluia. Donc la sanctification des parents ne peut pas les amener aussi. Seulement quand ils sont encore âge de que Dieu il laisse les libres parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent rien. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Amen. Le troisième point. Ok, on a déjà fini là-bas. Le 17. Ok. Alléluia. Le troisième point. Marriage problem of children of God don't supposed to go to court.
L'affaire de mariage des enfants de Dieu ne doit pas aller à la tribunal. Alléluia. Ça c'est autre chose que nous, on a en train de faire n'importe quoi aujourd'hui. Il va aller débaucher. Il a déjà payé l'avocat, il a déjà voyé l'avocat. Et il y a même l'église qui va encourager les enfants de Dieu, le même de l'église, d'aller au tribunal. L'église même, il va supporter. L'église même, il va aller testifier. Ah! Les choses que Dieu. On va aller voir 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens 6. C'est ça, non? Non, 2. C'est ça, oui. 1 Corinthiens 6. Tu dis, tu es un enfant de Dieu. Vous avez le problème dans votre foyer, dans votre mariage. Quelqu'un te dit d'aller au tribunal, aller à la police, aller. Ah, et tout coup, il a tout coup, aller là-bas. On te supporte même. Écoute ça que la Bible nous a dit. Said, we should not take our marriage, take any child of God, don't need to take your marriage to court. Take your marriage to police. Take your marriage for tribunal to judge you. See what the Bible says there. 1 Corinthians chapter 6. Don't believe the 1 Corinthians chapter 6. À partir de verse 1, on commence. Venez, Quelqu'un de vous, lorsqu'il a différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres de jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie. Ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous preniez pour juge. Je le dis à votre honte. Il est quoi? Il a dit à votre honte. C'est la honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous. Est-ce qu'il n'y a pas parmi dans cette Église? Il n'y a pas parmi tous les gens qui sont dans cette Église? Qui est sage, qui puisse prononcer entre ses frères. Mais entre ses frères, parce que nous tous, mari et tout, nous sommes frères. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ. Tu as déjà accepté Jésus-Christ. Il dit c'est la honte. Si on commence à amener nous-mêmes à la tribunal. Le couple que vous avez dormi ensemble, la Bible vous dit, dans Genèse 2, immédiatement Adam et la vie, Eve, c'est lui qui a donné, qui a dit, tu es femme, tu es ma femme. Et la Bible vous dit, ils sont deux, unis, il n'est pas honte. Alléluia. Et maintenant, le problème est arrivé entre vous deux, vous dites, vous êtes chrétien. Vous allez dans l'église, vous avez la Bible, la mère. Le problème est arrivé. Vous prenez votre cas, allez à la tribunal. N'aie pas honte. C'est une disgrâce pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que nous avons dit. C'est une disgrâce pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, alors que Jésus nous a dit de préparer pour juger le monde. Qu'est-ce que la Bible donne notre main? Ça fait quoi? Ça veut dire que c'est zéro. Il faut jeter cette Bible. Jeter cette Bible. C'est une disgrâce pour le Seigneur. C'est une disgrâce pour le Jésus-Christ qui est là. Qu'est-ce qu'on donne de bouche? Le nom de Jésus-Christ là. C'est pour cela qu'on doit aller là où on va apprendre la parole de Dieu et connaître la parole de Dieu, même avant de rentrer dans le mariage. Pourquoi le mariage, il y a un problème aujourd'hui, divorce, parce qu'il n'y a pas la fondation. La fondation est déjà détruite. Il y a les autres, ils rentrent dans la famille. Dans leur famille, il n'y a pas même le mariage. Maman est divorcée. Maman, il a marié plus que peut-être 10 noms avant de rester
Maintenant, comment les enfants, comment ils vont accompagner les enfants dans le bon mariage? Papa, il est polygamie. 54 femmes. Comment il va accompagner ses enfants dans le bon mariage? Ah, si quelque chose arrive à ta, va prendre une autre personne. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que c'est elle seule qui est dans le temps. C'est pour cela qu'elle a fait ça. Il faut aller chercher un autre. Quand tu cherches un autre, maintenant, il va cramer. Alléluia. Si il prend un aussi, si il fait le business, va ajouter. Moi, dis ton papa, tu t'as arrêté à 50. Alléluia. Tu ne devrais pas être comme moi. Comme Dieu a arrêté 50, tu peux me dépasser parce que normalement, les enfants doivent dépasser leurs parents. Alléluia. Donc, si tu arrêtes 100, ce n'est pas un problème. Il y a trop de femmes. Va chercher, continue. Et sur ton père, c'est lui qui voulait faire le problème, il est sous derrière toi. S'il ne veut pas rester, il dégage. Ça, c'est pas le mariage. Alléluia. Ça, c'est Satan, diable. La personne va terminer à l'enfer avec son papa. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Donc, c'est pour cela qu'on doit connaître la fin du mariage là très, très bien. On ne doit pas aller dans le mariage. On ne doit pas aller dans le mariage. Le mariage, quelque chose arrive. Et on appelle la police. On appelle. On va à la justice. Alléluia. L'église aussi qui doit être dit. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui est sage? Si le pasteur n'est pas sage, il n'y a pas les autres, les anciens. Il dit si il y a parmi vous qui est malade, appelle les anciens. Donc ça veut dire que tout le temps que vous avez le raisin, qu'est-ce que vous avez la Bible là dans la main pour faire quoi? Parce qu'on va juger le monde. Et c'est ça qu'on a dit des reçois là qu'on va utiliser pour juger le monde. Parce qu'on revient avec Jésus-Christ pour juger le monde. Il n'est pas même arrêté là-bas, il dit même juger les anges. Tous les anges là qui sont joués, le démon et tout ça là, c'est nous qui va les juger avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est cela que Jésus a dit ça clairement. Le temps que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, il a demandé dans le Matthieu 19. Qu'est-ce qui est notre récompense? Nous qui a tout laissé. Il dit aussi, mon royaume, c'est votre place. Et aussi, la deuxième chose, il dit, vous allez revenir avec moi pour juger le monde. Tous les vrais enfants de Dieu, on vient avec Jésus pour juger le monde. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous a expliqué ici là que c'est la honte. Si il y a le problème, honte le frère, parce que ta femme, donc le Seigneur, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. C'est pour cela que la fin de Maria est amenée ici. Aussi là-bas, nous tous nous sommes frères et sœurs. Il n'y a pas le mariage. Le mariage qui continue aussi, c'est le mariage avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, toute la fin de mariage. Là que nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Donc si il y a des problèmes qui arrivent entre nous, on ne peut pas arranger ça. Ça qu'on va faire maintenant, c'est pour envoyer nous-mêmes à justice. Le païen, les gens qu'on doit juger avec la parole de Dieu, ils nous jugent maintenant. C'est la honte. Nous sommes disgrâce pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est une disgrâce. C'est le païen qui doit venir nous voir. Et nous raconter les affaires. On prie la Bible. Commence de leur arranger les problèmes. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il a eu, quand vous regardez là, parlé très, 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 très mal. Alléluia. Dit dans l'église. If there you have judgments of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Oh, that is like my lap. It is so that there is not a wise man among you, no, not one, that shall be able to judge between his brethren. Alléluia. Et Dieu est le nom de Jésus-Christ. Et le 6, qu'est-ce qu'il a dit?
Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Clairement. Toi, Marcel, ma femme et mon mari, on prend notre cas devant les païens pour nous juger. L'église même va supporter. L'église même va aller faire le témoignage. Ça, c'est quel genre d'église? Que Dieu le fait dans l'église de Christ. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Alléluia. Ça là, c'est ça, c'est le point. Ça ne doit pas être dans le mariage. Non. Mariage, non. We don't have to see it in marriage. Take it. Yourself, if you are a Christian, si vous êtes vraiment chrétien, mais si c'est pas un païen, ok. Mais si vous êtes vraiment chrétien, vous, parce que tout le monde c'est chrétien, toute cette affaire-là, c'est au milieu des chrétiens. Divorce. Si vous les demandez, nous sommes chrétiens. On a dit amener la honte sous Jésus-Christ. Disgrâce. Amen. Sous Jésus-Christ. Et il a dit de pleurer. Ça ne doit pas. C'est des choses comme ça, ne doit pas être une église. On doit avoir des gens qui sont sages. S'il n'y a pas d'église dans l'église, va aller chercher. Si un pasteur a fait encourager les divorces, les séparations, les divorces, et aller à la justice, aller faire ça, va les convoquer. C'est pas un homme de Dieu. Cette église, il n'y a pas de Dieu dedans. Dieu n'a pas accepté cette chose. Alléluia. Vous devez avoir la parole de Dieu. Même le juge de nous, même le tribunal que vous voyez, vous ne savez pas que c'est la Bible qui est en train de juger. Alléluia. La loi qui est en train de juger là-bas, ils sont selon la Bible. Ils sont en train de. Chaque fois qu'ils sont en train de condamner les gens, ils sont en train de chercher un endroit. Maintenant, il va arranger, modifier. Alléluia. Donc, comment nous, les enfants de Dieu, ils vont continuer d'aller faire n'importe quoi? Et donc, devant le Jésus-Christ. Que Dieu réarrange notre mariage devant le Jésus-Christ. Que Dieu réarrange notre mariage. Le diable nous a trop volé. Avec le faux renseignement, le faux doctrine. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, on va lire le quatrième. Marriage, when you sleep with any lady, you are titled to marry her. Ok, là, nous avons fait comprendre qu'on a déjà dit là-bas, ils ont vendu. Si tu as couché avec n'importe quelle femme ou non, tu es, la Bible dit, tu dois les marier. Allez. Ça là, c'est très très important. Les gens qui couchent, qui touchent, qui goûtent. Alléluia. Qui courent dans toutes les femmes et dans les hommes. Donc, c'était Exode là, quand il a 22, vers 16 jusqu'à 17. Il nous a fait comprendre que tu couches avec n'importe quel homme et femme. La Bible dit clair que obligatoire, tu dois la marier. Alléluia. C'est pour cela que la Bible ne permet pas fornication. Il ne permet pas fornication. Immoralité. Dieu, il déteste ça. Garde-toi bien. Ne couche pas. Ne sors pas à gauche, à droite. Nous tous, on a déjà fait cette erreur. Mais cette verse. C'était au Gabon que mon pasteur m'a montré ça. Le jour qu'il m'a montré ça, c'est le jour là que Dieu m'a caché ma tête dans le Seigneur. Ah! Il dit, si tu n'as pas repenté dans cette affaire, le jour du jugement, tu vas voir beaucoup de femmes qui vont être derrière toi. Et
Quand le Seigneur va dire, tu as couché combien de femmes dorment autant que tu es dans le monde. Quand tu vas dire, ah, tu vas voir, s'ils sont mille là, c'est derrière toi comme ça. Tu vas regarder l'église. Si c'est les femmes aussi, ah, tu vas regarder les hommes. Ah, c'est non, c'est pas. On va commencer à dire le date. Alléluia. Donc, c'est toi qui as marié tout, parce que quand tu couches sexe, ça veut dire que vous avez déjà rentré dans alliance. Sexe, c'est alliance. C'est pour ça que la Bible dit Adam et Eve, quand même Adam et Eve, ils sont nés, ils sont reconnus, ils sont. Donc, dès que vous faites un sexe, vous êtes déjà fait une alliance et vous êtes un. Alléluia. Donc, c'est la prière. Nous, maintenant, on va calculer combien de personnes que Dieu dit, Jésus dit, il y a un avec. Alléluia. Combien de personnes que tu dis, il y a un avec. C'est cela qui est très important, toutes les choses là, pour briser, pour séparer toi-même. Et beaucoup de gens, ils sont aujourd'hui, l'esprit des eaux, l'esprit des marées, l'esprit de ça. Et mari des nids, femme des nids, en cause de coucher ici. Donc, quand tu as dit de coucher, tu as dit de marier. Il y a plein de mariages dans ta vie. C'est cela que donne l'église vivante, dans notre église. Quand les personnes veulent rentrer dans le mariage, il y a la délivrance pour briser toutes ces choses. Alléluia. Si il y a pas mal, on va leur poser la question, demander si tu as déjà sorti avec quelqu'un et fait tout cela, ils vont rentrer dans la prière pour briser toute alliance qui sont déjà rentrées avant cette mariage. Et cette alliance ne doit pas troubler cet mariage. Alléluia. Il y a les autres qui sont déjà couchés avec le démon. Sont couchés avec démons incarnés. Donc, c'est pour cela qu'on voit les gens pour marier, c'est difficile. Parce que tu as couché avec des démons. Et quand tu couches avec des démons, pour marier, c'est difficile. C'est le problème. Il faut rentrer dans la prière. Alléluia. C'est ça qu'on appelle, ils sont, des fois on appelle anti-mariage force. Tu as déjà couché avec des démons anti-mariage. Donc, comment tu vas rentrer dans le mariage? Même si tu rentres dans ce mariage, c'est le problème. Tu vas tuer le divorce de l'anti-mariage. Alléluia. C'est pour les hommes et les femmes. La même chose. Alléluia. Tu dois briser et détruire le divorce de l'anti-mariage. Que tu as déjà sorti avec, tu ne sais pas. Alléluia. Et dans le Père, et dans le Jésus-Christ. Et dans le fortifié. Merci, Seigneur. Ça se fait. Donc, on va dans le cinquième. Le mariage qui ne doit pas, on ne doit pas même essayer ça. Marriage that we can we don't allow, and God does not allow it, and we don't have to try it. Que Dieu le fortifie dans le Jésus-Christ. Mariage qui ne doit pas, jamais. Mais je dis, c'est tout ce mariage qu'on voit aujourd'hui. Dans le livre de Lévitique, d'abord, Lévitique 18. On commence par verset 1. Marriage that not supposed to hold at all. You don't even need to call it marriage because it is abomination. Parce qu'ils sont abominations. Donc on ne doit pas même appeler ça un mariage. L'Éternel parla à Moïse. Continue. Parla à Moïse et dit. Oui. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Première chose d'abord, tout ça qu'on a dit de rester, le vrai église de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont qui? Les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, tout ce qui concerne Dieu et la parole de Dieu qu'on est en train de parler là, c'est pour les vrais enfants de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, n'importe qui peut aller faire comment il veut. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la loi de Dieu, c'est pour nous. Et c'est pour notre bien. Et pour voir que si on rentre dans le plan de Dieu, alléluia. Et pour nous corriger. Ok, continue. Il a dit, parle. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans
le pays d'Égypte. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Égypte, c'est qui? Le monde. Vous avez vu, non? Nous sommes dans l'Égypte. Ça, c'est notre Égypte maintenant. Ce n'est pas l'Égypte la parole de Dieu se prophétie. Alléluia. Vous ne, on ne doit pas faire comme c'est fait dans le monde. Continuez. Où vous avez habité? Là, on habite où? Le monde. C'est ça, c'est pas ça. Where are we living? Is it not the world? Where we are living? We should not do like them. Ok? Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Même ça qui se fait dans le pays que tu as trouvé toi-même. Vous avez vu, non? Il a parlé de l'Égypte, le monde complet. Maintenant, il a quitté dans le pays que tu as trouvé toi-même. Alléluia. Le pays que nous sommes là aujourd'hui. Ce n'est pas comme lui. Alléluia. Pas que tu dis que, laisse l'affaire de l'Afrique. Laisse ça. Nous sommes maintenant en Europe. Nous sommes maintenant. Si c'est France, hein? Si c'est France, hein? France, hein, si ça ne va pas de divorce, laisse la loi ici parmi le change de plein d'autres personnes. Il y a plein de hommes, plein de femmes aussi. La Bible dit que tu ne dois pas faire comme ça. Si tu as vraiment un enfant de Dieu, ça c'est ça qui nous guide. Continue. Où je vous mène, vous ne suivrez point leur usage. Regarde, tu continues de parler. Ne vous pas même copie. Ça qui est vous pas même essayer de copier. Ne copie pas. Alléluia. Même là, il y a l'habillement. Ne copie pas. On va arriver là-bas aussi. Ne copie pas même là, l'habillement. La façon. Dieu, Jésus, Dieu vivant. Dieu est mon modèle. Même votre habillement, même tout, Dieu est mon modèle. Pour nous, je ne voulais pas même voir copier. Mais donc, ils vont copier. À un moment, ils vont aussi copier. La loi qui dit les hommes, les femmes avec les hommes doivent être égales. Ne copie pas. Dieu n'est pas parmi ça. Les femmes doivent être soumises. Pas prendre cette loi et mettre dans ta famille. Non. Pour moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, si c'est moi vraiment qui t'a racheté avec mon sang, ne copie pas tout ça qui est pratique là-bas. Femme, tu dois être soumise pour ton mari. Et ton mari, tu l'as aimé, c'est ça? Mais la soumission, il vient d'abord. Être soumise. Et c'est ça qui attire l'amour. Alléluia. Et si tu commences à draguer avec elle pour lui montrer que je suis riche ou je suis intelligent, et c'est la femme qui commande. Ce n'est pas la loi de Dieu. Il n'y a pas la loi. La femme ne commande pas dans la Bible. La femme soit soumise. Et le mari voulait aimer. Alléluia. Continuez-vous. Vous pratiquerez mes ordonnances. Vous l'avez dit, non? C'est mon ordonnance que vous devez pratiquer dans le monde d'Égypte, dans le monde que vous êtes là, dans le pays que vous trouvez vous-même. Mon ordonnance, c'est ça que Dieu vous a donné dans votre foyer, dans votre famille, dans les enfants. Il dit mon ordonnance. Alléluia. Continue. Et vous observerez mes lois. Vous l'avez vu, non? Il y a la loi de Dieu. Vous devez observer ça. Alléluia. Continue. Vous les suivez. Suivez-vous, suivez ça. Ça veut dire que vous avez vu, il a dit de parler, il a dit de noter M par M. Hein? Mon ordonnance. Ma loi. Suivre. On doit aller suivre. Suivre ma loi. Alléluia. Le prédicateur, le pasteur, tu dois renseigner les enfants de Dieu. L'ordonnance de Dieu dans l'affaire du mariage. La loi de Dieu dans l'affaire du mariage. Et il dit, c'est obligatoire si tu voulais rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et tout cela, c'est pour notre bien. La famille qui suit ça, il n'y a pas de problème. On va voir le mariage, ça passe bien. Tout chose va bien. Tout va bien. Alléluia.
On sait qu'il y a la tentation, il y a la tribulation, il y a le failli de le mariage. Mais ça ne fait rien. À tant que vous êtes en train l'ordinance, c'est la loi de Dieu. Il n'y a pas de problème, il y a la victoire. À la fin de cette tribulation, c'est victoire. Alléluia. C'est la modification d'aujourd'hui qui fait que problème de mariage, problème, il n'y a pas la solution. Parce que le monde pense qu'il peut modifier la loi de Dieu. Personne, jamais, tu ne peux pas essayer de toucher toute la loi de Dieu. Si tu essaies de dire que tu peux modifier ça, tu vas voir que toute chose va gâter. Toute chose va gâter. Continuons. Vous les suivrez, je suis l'Éternel votre Dieu. Il a répété encore, je suis l'Éternel votre Dieu, qui a été de parler, pour vous savoir que c'est moi qui a été de parler. Vous observerez mes lois et mes commandements. Quand tu le répètes encore. L'homme qui le mettra en pratique vivra par elle. Ici, l'homme qui a mis ça en pratique, il va avoir la vie. Si vous mettez ma loi en pratique dans votre mariage, dans votre foyer, dans votre famille, cette famille, il va vivre. Cette famille va vivre. Alléluia. Mais comme on a dit de modifier, il n'y a pas la vie. La vie qu'il a dit de parler là-bas, c'est pas seulement la vie dans le monde là, même la vie éternelle. Alléluia. Mais si vous commencez à modifier ça, c'est la mort. Et la mort aussi, ta mère, personne ne le tout le monde, toute cette génération, c'est à l'enfer. Alléluia. Continue. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Alléluia. Je suis l'Éternel. Vous l'avez dit. Le parent, il couche avec les enfants. Les enfants, ils couchent avec leurs parents. Avec toi, c'est interdit. Alléluia. C'est interdit. Les choses abominations. Alléluia. Toutes ces choses-là sont passées dans le mariage. Maman, il va aller coucher avec son beau-frère. Alléluia. On va voir tout cela là. Le genre de choses là, le genre de mariage là, il ne va pas jamais. Mais aujourd'hui là, même dans l'église, il pratique ça. L'église, les gens qui sont de l'église, vous allez rentrer dans l'église. Maman, il couche avec son enfant, sa fille, et son bon frère. Alléluia. Et donc, mais quand vous lui demandez, nous sommes chrétiens. Mais ça ne fait rien. Alléluia. C'est le droit de l'homme. Le droit de l'homme est parmi toutes choses. Et donc, continuons. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Parce qu'il a écrit tout ça. Il sait que dans la future, le monde va essayer de modifier la loi de Dieu. Donc, il nous a donné cette loi pour nous garder les enfants de Dieu, les Israélites de Dieu. Et les choses-là ne doivent pas rentrer dans notre vie. Et on va dire que c'est le mariage. Non. Une chose ne doit pas rentrer. Continue. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Ah, ça va, c'est ça, mais on ne peut pas même parler ça. Les gens me couchent avec la femme de parents, n'importe quoi. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père, ou fille de ta mère. Né dans la maison ou né hors de la maison. Vous l'avez vu, non? Ça veut dire que né dans la maison, je ne sais pas, peut-être, il y a les parents qui sont, peut-être il a né, il a couché avec une femme et il a fait un enfant pour lui. Donc, dans la maison maintenant, peut-être il a venu le temps qu'il est déjà grandi. Les autres, l'enfant dans la famille, le temps qu'il va retourner maintenant dans la maison, il va commencer à sortir avec le célèbre sel. Alléluia. Ne va pas faire ça. Il y a des gens même qui marient, qui font le mariage. Parce qu'on a de parler, il a fait le mariage. Il fait le mariage. On va voir tout ça. Dieu dit, ça ne doit pas répéter et trouver au milieu de nous. Alléluia. Ne doit pas répéter et trouver au milieu de nous. Maintenant, on va avance dans le Lévitique 20. Lévitique 20. À partir de verse 13.
Leviticus 20 verse 13, from verse 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un ça, c'est le mariage qui passe maintenant, le mariage. Il dit, on ne doit pas voir le mariage lesbienne et homosexualité, on ne doit pas avoir ce mariage que l'Église aujourd'hui a été légalisée, a été acceptée, a été dit que c'est correct. Ah! Et les gens disent que c'est bien, c'est le droit de l'homme. Qui vous a donné le droit? C'est Dieu ou c'est le diable? Alléluia. Continuons. Il a parlé des hommes. Si un homme prend une femme, la fille et la mère, c'est un crime. On leur brûlera au feu. Bonjour. Et elle. Vous l'avez vu? Moi, je vous ai donné un témoignage là que ça là. C'était ça, c'est pas loin. J'étais du dos en train de arranger cette affaire. Une femme, maman avec sa. La fille c'est 18 ans. Son maman. Maman, il commence à coucher avec le mari de sa fille. Et après, les deux, ils sont prêts enceintes le même temps. La guerre a commencé. La fille dit il va faire le problème avec son maman. Le problème arrivé à la police. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de problème. Et tu peux aller. Ton maman dit il aime le monsieur. Oui, tu peux laisser. Tu sors dans la maison. Tu vois, ton maman dit. Quand tu lui as entendu faire, parce que la maison c'est maman. Elle m'a dit, il ne doit pas rester avec elle. Ça c'est Allemagne. Allemagne. Alléluia. C'est la fille qui comprend. C'est elle qui a dit à son maman comment le gars là, il jouait bien. Il jouait bien. Maman a dit, il va aller aussi essayer. Maman commence à séduire. Le monsieur va rentrer dedans aussi. Alléluia. Et donc, là, il donne le nom de Jésus. L'affaire des papiers là, ils doivent nous libérer. Alléluia. Ils doivent nous libérer dans le Jésus-Christ. C'était un Nigeria, C'était un Nigeria. Monsieur, c'est un Nigeria. Il a joué un grand football. Ils doivent être dans le Jésus-Christ. La Bible dit c'est un grand. Oui. Maman, finis ça. Qu'est-ce que c'est la vie? On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Vous avez vu? Vous va brûler avec le feu. Que cette crime ne doit pas répéter encore. Ça veut dire que grâce complète, détruit qu'on complète cette fondation. Sinon, ça va répéter encore. Alléluia. Et aujourd'hui, la histoire de ça ne fait rien. C'est le droit de l'homme. Tout le monde est là le droit. On fait ça qu'il veut. Dieu ne nous a pas créé comme ça. Les yeux de Dieu. On ne sait pas comme ça. On doit, sous la loi de Dieu, mariage, ce n'est pas quelque chose qu'on fait n'importe quoi. Alléluia. Dieu n'est pas établi mariage pour n'importe quoi. On doit, sous la loi de Dieu, dans le mariage. Comme ça, on n'a pas le problème. Notre vie, notre famille sera dans la paix. Amen. Continue. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Alléluia. Aujourd'hui, là, on va voir un homme en train de marier la bête, marier le chien, faire le mariage de moi-même de la vie dans la terre. Un homme marié, il fait le mariage, il y a le mariage avec le chien. Alléluia. Et donne le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ ne veut pas continuer. Là, les choses là, c'est déjà. Non, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Ça, quand on est en train de voir le monde maintenant, ça dépasse même le Sodome et Gomorrhe. Ça dépasse. C'est pour cela que la grâce, les gens ont parlé. C'est la grâce qui garde encore, qui garde encore le monde là jusqu'à maintenant. Sinon, Dieu ne peut pas à jamais accepter ça parce que le temps qu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, ça n'est pas arrivé à ce point. Alléluia. Tout ce que Dieu dit, vous ne devez pas faire. C'est ça que ça veut dire, légaliser. Légaliser. Et les gens sont contents en train de faire ça. Et l'Église a fait de supporter. Prêtre, pasteur, bishop, ils sont même lesbiennes. Lesbiennes, pasteur, lesbiennes. Homosexuels, pasteur. Et les gens aussi sont là-bas, en train de clamer, applaudir.
dit qu'ils sont en train de prospérer. La prospérité là, c'est à l'enfer. Et donc, elle est de Jésus-Christ. Continue, maman. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Ça va. La femme, je dis, c'est rien pour la femme. La femme qui couche avec un animal de pâture. Mariée avec un animal de pâture. Et donc, elle est de Jésus-Christ. Et donc, elle. Les choses, tous, la Bible, la parole, c'est complet. C'est pour cela que le monde, Dieu, mais si Dieu dit, ne fais pas homme, il dit, le monde que vous êtes, dit donc, sous mon ordonnance, et vous pouvez avoir la vie. Laissez-les la faire, parce que Dieu l'a déjà condamné. Ça, que ça peut attendre, c'est la consommation du feu de Dieu. Donc, et nous, les enfants de Dieu, fais attention. Ces genre de choses, ces genre de mariage ne doit pas jamais, vous ne devez pas essayer d'essayer un pays. Dit, ne copie pas, pas même copie, non, ne copie pas. Et donc, elle est de Jésus-Christ. Amen. Et donc, elle continue. Elles seront mises à mort, leur sang tombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père, ça va, c'est une grande chose. Ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Alléluia. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur mère. Alléluia. Avant, ça là, c'est une autre chose. Avant, le temps que Dieu a parmi quelque chose, le temps d'Abraham. Abraham, le temps qu'il voulait marier, il voulait chercher la femme pour Isaac, il a envoyé dans son pays. C'est aujourd'hui là, les gens en train de pratiquer ça aussi. Même il y a un truc chez moi. Mais la fin de la vérité, ils ont commencé à clarifier leurs yeux. Ils ont commencé à arrêter cette affaire. Quelqu'un qui voulait marier, il va aller chez. Par exemple, si ma fille voulait marier, il va chez moi. Aller les chercher un mari. C'est ça que Dieu a dit, amener cet amour. Ça ne peut pas exister parmi vous. C'est ta sœur. Alléluia. Cet mariage, non. Alléluia. Cet mariage, non, ne fais pas. Parce que c'est ta sœur. Et c'est ton frère. C'est le même sang qui a été coulé. Donc, on va essayer ça. Cette manière, non, il n'en sert pas. Et donc, elle est de Jésus-Christ. Donc, si vous lisez encore, il y a encore beaucoup là-bas. Mais à cause de l'aile, à la maison du pays, il a expliqué jusqu'à 23. Il a expliqué jusqu'à 23, il a expliqué beaucoup de choses pour le mariage qui ne doit pas jamais voir comme le lit. Des choses qui ne doit pas jamais trouver comme le lit. Il doit nous fortifier au nom de Jésus-Christ. Il doit nous fortifier. Il y a ce moment, il y a quelque chose que je vais vous montrer, le 18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Le temps que les femmes sont dans son menstruation, c'est ça? Tu ne dois pas les toucher à elle. Il est impur. Vous avez vu? Mais Dieu là, tout ça là, le diable va rendre les gens avec le sang de faire n'importe quoi. Et donc, il doit nous délivrer au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de renseignement, il n'y a pas les gens vont dans l'église. Ça qui nous renseigne là-bas, c'est zéro. Renseigner les enfants de Dieu, les choses fondamentales de la Bible,
que les enfants de Dieu soient établis dans la parole de Dieu et connaissent la vérité pour avoir la crainte de Dieu. Prépare leur vie pour voir, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Okay? On est, les gens éviter de rentrer dans les rêves. C'est ça qui amène la pollution. Pollution. Alléluia. Quand on prie, on commence à chercher comment le problème là a venu, comment le problème a venu. Le problème a venu parce que tu as fait ça que Dieu dit que tu ne dois pas faire depuis la fondation de ta vie. C'est ça qui a dérangé, renversé tout. Parce que tout ça qui parle ici, il y a la malédiction qui est sous ça. Et la Bible dit, la parole de Dieu ne peut pas jamais retourner à le Seigneur sans accomplir sa mission. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas l'homme qui ment. Ça qu'il dit, il va toujours accompagner ça. Ça va accomplir. Il donne le fortifier au nom de Jésus-Christ. Il donne le délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on va aller voir quelque chose. Si vous continuez de lire ça, il y a beaucoup de choses là-bas. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas assez de testament, il n'y a pas de nouveau testament. Quand vous voyez, il vous dit, le premier cercle des livres, la Bible, la Bible vous dit, c'est le livre de la loi. La loi qui doit garder les enfants de Dieu jusqu'au ciel. Alléluia. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas assez, ça veut dire que vous avez enlevé le livre de la loi. Donc vous êtes à vous-même. Et la loi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez laissé Jésus-Christ. C'est pour cela que beaucoup d'églises arrivent de faire n'importe quoi mal. Divorce dans l'église. Divorce de marié. Dans l'église de Dieu. Homosexuel, il est à l'aise. Lesbien, il est à l'aise. Maintenant, pédophile, c'est ça qu'ils sont en train d'introduire, mais ce n'est pas pour le nom de Jésus-Christ. Si on laisse les choses là, mais on va commencer de voir aussi les enfants vont commencer de coucher avec une belle dans l'église. Ils ont déjà même commencé, il y a même une là autour, ils ont déjà commencé. Alléluia. L'église, le pasteur va dire, laisse-les, ils sont des enfants. Si on n'a pas fait attention, on va commencer de voir 4 ans, il est enceinte. Oui, 4 ans, il est enceinte. Il a déjà eu 5 ans. Ah oui, on va commencer de voir 5 ans, il est enceinte. C'est ça que vous voulez, introduire. Mais le frère de Dieu va aller tous conjugués au nom de Jésus-Christ. Amen. Il va aller tous placés au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, à la prière. Dieu ne veut pas accepter cette abomination. C'est une abomination. Abomination. Dieu a déjà accepté Jésus-Christ. Comment il va faire pour envoyer tous les enfants là à l'enfer? Parce que c'est l'âge de 4 ans là, 5 ans là, 6 ans, Dieu, il est avec lui. Alléluia. Si il meurt, c'est direct au royaume de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez voir qu'il diminue les enfants qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Par introduire la loi des pédophiles. Que Dieu les conjugue avec la loi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a quelque chose qu'on va traiter, très très important pour terminer. Dans le livre de 1 Pierre 3, à partir de verset 1. Il y a quelque chose qui nous a parlé là-bas, mais pour l'heure, on va, je pense, je vais prendre ça vite, comme ça on va prier. Il y a quelque chose qu'il a dit là-bas. Si quelqu'un peut nous lire, 1 Pierre 3, à partir du verset 5. 1 Peter chapitre 3, verset 1 to 8. There's something into it, make us understand it. Soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, ça porte pas le cadre de parler à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux, tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté, l'incorruptible, de l'esprit doux et paisible qui est dans un grand puits devant Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous a dit là-bas? Femme, pour montrer ton mari que tu es
belle ou peut-être beauté ou même les hommes. Parce qu'il y a les hommes aussi. Et quand il est marié, il va commencer de tricher. Il y a les autres même, il n'est pas comme marié, mais pour attirer les femmes. Parce que peut-être son copain dit, ah, j'aime quand tu tricher. Il va commencer de tricher. Et les autres, il va dire, va aller mettre les boucles des oreilles. Sa femme aussi met les boucles des oreilles. Elle aussi, lui aussi, met les boucles des oreilles. Le bébé, elle revient, femme. Ça qu'il y a les autres même, il y a les hommes même qui mettent aussi le rouge à lèvres. Rouge à lèvres aussi. Sa femme même. Qui est le Père de Jésus-Christ. Il y a les femmes aussi, il y a les hommes aussi qui mettent le pétu. Les femmes aussi, elles mettent le pétu. Les hommes aussi mettent le pétu. Ils sont en train de marcher ensemble. Qui est les femmes, qui est les hommes parmi lui? Et puis le Père de Jésus-Christ. Donc il a dit là-bas, il dit non, il dit c'est pas ça. C'est pas ça que pour les si on lit ça, il a commencé à parler de Sarah. Et il dit non, c'est pas ça que vous pouvez utiliser pour attirer votre mariage, votre mari. Non. Notre beauté, la beauté des femmes doit être extérieure. Ça veut dire que ça doit être sanctification, la sainteté. Qui va. Parce que quand la femme il marche dans la sanctification et dans la sainteté, ça sort son original à son mari. Alléluia. C'est ça, c'est pas pour mettre les choses artificielles. Parce que l'artificiel là, l'artificiel. Je vais vous donner un témoignage avec eux. Et le temps que je suis au Gabon, mon frère, il habite avec, il a parti dans le club. Après, quand ils sont finis, c'est bon de nuit, non? Le vendredi, samedi soir. Oui, il a rentré à minuit avec une femme. Il est rentré à minuit avec une femme. Quand il est rentré à minuit avec cette femme, comme ils sont bois, prend l'alcool et tout. Donc, le matin, vers 6h, 7h, quand la femme là, il a mon oncle là, il a réveillé. Quand il a vu la femme dans le lit, tu as tout fait. Qui ça c'est qui? La femme, il a déjà rentré le laver, il est sorti. Donc vous savez que quand il a lavé, non, tout le vestu, tout est déjà disparu. Donc il doit aller ramener le niveau. Donc, vous êtes quand mon oncle il a revu la femme là. Ça c'est qui? Tu fais quoi dans mon chambre? Ah, la femme a dit, mais c'est toi avec moi, on était revenu hier, ma chérie, là, il a commencé à toucher ma chérie. Mais laisse la tête, chérie. Mon oncle il a venu, tu dis après, je dors dans le salon. Il vient me dire, comment tu es là? Tu n'as pas vu la femme là, qu'elle est rentrée avec moi. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as dit, j'ai rentré avec qui? Et maman, qui peut me nier de nous. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te dis, le temps. Ah, il dit, non. Il a rentré dans la chambre, il dit, la femme, sors, parti. La femme, ah, c'est toi. Il dit, non. C'était. Il a pas parti sans mettre le manteau. Il a pris tout son bagage. Vous avez vu, non? À cause de quoi? Tout, il a fait tout, il a revenu comme la plus petite dans le livre des proverbes. Regarde ça que proverbe dit là-bas. Regarde ça que proverbe. Proverbe France. Let us see what proverbe says. Proverbe 30. Et donne le nom de Jésus-Christ. Proverbe 30. Ok. Proverbe 31. 31, 30. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Favor is deceitful. And beauty is vain. But a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Beauty is vain. Qu'est-ce qu'elle a dit? La beauté c'est vain. Alléluia. Vous avez vu, non? Proverbe 31, 30.
Dernier chapitre de Proverbes. Alléluia. Récompensez là du fruit de son travail. Ah. Et on porte ses œuvres là. Proverbes 31, 30. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera libre. C'est ça que 1 Pierre 3, verset 1 en train d'expliquer. Crains Dieu. C'est quand tu crains Dieu, c'est ça qui va faire ton mari te louer. Alléluia. Les femmes seront louées dans la main de leur mari s'il y a la crainte de Dieu dans leur vie. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est ça qui fait sa beauté sortir. Alléluia. La crainte de Dieu, c'est pas pour mettre le. Quand il marche, tous commencent à chanter. Il fait la main comme ça. Il y a beaucoup, il va mettre le. Comment on dit? Le bracelet, bracelet, bracelet. Quand il fait la main comme ça, il y a les autres même qui commencent à tomber. Ils tombent même. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous aide. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il dit la crainte de Dieu. La crainte. La crainte de Dieu. Même ton mari là, s'il est païen, s'il voit la crainte de Dieu dans ta vie, il a fait tout pour te refuser, pour te faire mal, mais tu restes dans la prière, reste dans la prière, habille bien. C'est pas, il y a des autres qui vont dire, parce que mon mari regarde les dehors, et regarde tous les petits filles là qui portent le pantalon, qui tirent. C'est ça qui est en train d'utiliser pour attirer mon mari. Moi aussi, je vais mettre ça. Ah non, 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 tu n'es pas la crainte de Dieu. C'est pas ça qui va faire ton mari pour te regarder. Si tu as la crainte de Dieu, tu restes comme Dieu. Il a dit, les femmes doivent habiller. Tu continues de prier, prier, prier. Un jour, ton mari là, il va revenir, il va commencer. C'est lui-même qui va mettre à genoux devant toi, commence à confesser que son rein. Même si ça prend le temps, un jour il va venir. Même si tu es chassé dehors, et tu restes toujours dans le Seigneur. Il n'y a pas de bêtises, il n'y a rien. Toujours dans ton église, dans ton église. L'église là, il a condamné, il a fait tout. Toujours, quand il vient, c'est les gens même qui vont commencer de l'indiquer. Tu sais que tu as abandonné les bonnes choses. C'est les gens qui vont commencer de confesser que tu ne peux pas. Il faut revenir à ta femme. Hein. Tu as abandonné les bonnes choses. Depuis des années que tu l'as laissé, il est tout seul avec son discours là, toujours avec sa Bible. Toujours avec sa Bible. Il faut le tourner. Regarde tout ça que tu as d'aller à gauche, à droite là. Regarde comment ils ont fait ta vie. Lui-même, il va commencer à réfléchir et penser de retourner. Parce que la crainte de Dieu dans ta vie, Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Si ton mari t'a abandonné et tu restes toujours dans le Seigneur, Dieu il va lui montrer que. C'est lui-même que tu saves. Et tu saves Dieu vivant. Mais ce n'est pas que Dieu te laisse. Eh, mais ton mari te laisse. Il me dit, quand il va, on te voit, ça qu'il a dit d'attendre que on l'a vu avec Jacques. On l'a vu avec Jean. On l'a vu avec Philippe. On l'a vu avec Elisabeth. Lui-même il va dire que tu as des saints qui ne savent pas Dieu. C'est que c'est la tromperie. Bientôt, lui-même va dire bientôt, il va coucher même avec le pasteur. Mais oui, c'est ça qu'il a dit. Alléluia. Donc, notre mariage doit marcher dans l'ordonnance de Dieu. La femme, c'est pas tout le faux. Le faux, chose là, c'est le faux. C'est pas ça qui garde toutes les choses là, même à ti, mari de vie, femme de vie. Dans ce mariage. Ils sont le matériel du diable. Alléluia. La beauté que Dieu veut que tu montres, la beauté naturelle. Alléluia. Avoir la crainte de Dieu. Montre dans ce mariage, même les enfants, tes enfants, tout, montre-leur la crainte de Dieu. Alléluia. C'est ça qui va garder ton mariage et garder ton foyer. Même si le mariage est de faire n'importe quoi. Même si, même le mari, ta femme te laisse, à cause de ça, tu commandes de mettre Bob Marley dans ta tête.
Tu as revenu Rasta, et dans la journée. Dans la journée, le temps que ta femme te connaît, tu ne suis pas Rasta. Maintenant, tu es revenu Rasta. Bob Marley. Alléluia. Tu as ouvert deux oreilles. Le boucle des oreilles maintenant. C'est ça que tu mets maintenant. Avec toutes les femmes partout. Tu dis, tu veux les mentir que je suis encore jeune. Tu veux les mentir que les femmes, beaucoup de femmes me suivent. Tu vas regretter ta vie. Alléluia. Tu vas regretter sa vie. Donc, ça, c'est de l'ordinance du mariage. Il n'y a pas de divorce dans le mariage. Alléluia. Qui nous fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Qui doit nous aider. Donc, c'est très, très important. On doit connaître les choses là. Pour arranger notre vie et notre mariage et la mariage des enfants. Si y a, nous, on a déjà fait le rêve, arrange. Si y a les gens qui viennent, vous nous demandez s'il y a le problème, on trouve le problème dans la vie, dans le foyer des gens. Aide-les pour arranger avec la parole. S'ils sont refusés, voir que vous êtes dans la vérité. C'est tout. Alléluia. N'ajoute rien, n'enlève rien. Voilà ça que la parole de Dieu dit. S'ils sont dit non, laisse-les. À la fin de tout, voilà ça, quelque chose. La parole de Dieu, c'est la vérité. À la fin de tout, il va voir que la vérité, là, ça que tu as dit le jour là, même si c'est 20 ans, c'est ça qui va provenir de vous. Et donc, il faut te faire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant qu'on prie, on prie par cause de l'aide, je ne sais pas si on a la question. Si il y a la question, before we pray, if you have any question, you can ask. Et il y a une question aussi que quelqu'un m'a demandé. Si quelqu'un, comme on ne connaît pas ce qu'on appelle mariage d'abord, et il a fait l'enfant quelque part, fait l'enfant avec un fils, ou ils sont en train de vivre ensemble, sans mariage. Alléluia. Il m'a demandé qu'est-ce que ça signifie. C'est fornication. Vivre ensemble, sans marier, sans la confirmation de les parents. Vous n'êtes pas encore fait ce qu'il doit faire comme la Bible demande. C'est fornication. Et tout le fornicateur va aller à la fin. Donc, dis la personne, si c'est ton mari, dis-lui d'aller voir mes parents vite vite. Pour aller arranger. Même s'il n'y a pas l'argent, va aller les deux parents. Faites-vous la réunion pour déclarer oui. Comme vous êtes OK avec vous-même. Bon, allez-y, vous, que Dieu vous bénit, on vous bénit au nom de Jésus-Christ. C'est déjà fait, mariage est déjà fait. Mais si vous ne faites pas ça, vous continuez de vivre ensemble, c'est fornication. Alléluia. Et on m'a demandé aussi que si quelqu'un, maintenant, il a fait l'enfant quelque part, et maintenant, il voulait marier. Peut-être qu'il a fait l'enfant avec deux, trois et quatre femmes. Il y a le temps, il a envie de vivre, coucher à gauche, à droite. S'il voulait marier maintenant, est-ce qu'il peut marier une autre personne ou il peut aller chercher parmi les gens qu'il a fait l'enfant avec la mariée? Alléluia. Ce qu'il dit, c'est ils sont dans la. Tout ça qu'il a, il a sorti avec là, ils sont fait la fornication. Alléluia. Maintenant, parce que la personne maintenant, elle a sorti de Jésus, il connaît maintenant la vérité, il voulait marier. Il peut retourner pour chercher parmi les gens là. S'il y a parmi eux qui a accepté de les marier, il les marie. S'il n'y a pas, ou ils sont loin, ou ils ne connaissent pas, il peut aller marier une autre personne. Mais ta personne doit aller chercher les enfants là. Les gens là, s'ils ont fait les enfants, ils doivent aller chercher les enfants là pour chercher la femme là ou les gens là pour les reconnaître. Pour demander pardon, ça qu'on appelle la restitution. Restitution. Parce que le temps que Dieu fait toutes les choses là, Dieu ne connaît pas la vérité, il ne connaît pas le Seigneur. Maintenant, je connais le Seigneur et je sais que Dieu te fait mal. Et Dieu fait les enfants là aussi mal. Maintenant, Jésus venait demander pardon.
à partir d'aujourd'hui, je vais m'occuper des enfants. Alléluia, c'est ça qu'on appelle restitution. Donne la sainteté, tu dois restituer tout, sinon ça va te planter pour la tête de Dieu. Tu dois les restituer. Alléluia. Donc, si vous avez la question, non, il y a une femme, son mari est en train de brûler ses filles dans la maison. Est-ce qu'elle doit rester avec le mari ou de tout? Est-ce qu'elle est son mari? Ils sont mariés et le mari violait sa fille. Elles sont plusieurs filles. Oui, il violait sa fille à la maison. Tout cela, c'est dans le livre de Lévitique. Là, on connaît le Lévitique 20, à partir de verset 13. Si le mari, parce que le mari là, c'est pas lui qui a la fin des enfants là, qui a mis les enfants là. Ce sont ses enfants. Mais on a lu ça dans la Bible. Alléluia. Donc, vous savez, il va faire, c'est quelque chose aussi. C'est quelque chose. Dans la Bible, comme c'est son mari. Quand c'est son mari et ça, quand c'est sa fille, d'abord, il a déjà fait quelque chose d'abomination. Il y a déjà abomination dans cette famille. Maintenant, pour obéir Dieu, comme Dieu il a dit dans le livre d'Ecclésias, dans le livre de Malachie 2, 16 et 17, il dit le mariage, vous devez avoir la majorité pour couvrir. Ça, c'est un autre endroit qui a détruit, qui va envoyer beaucoup, qui va juger beaucoup de gens, et beaucoup de gens vont aller à l'enfer. Le mariage, c'est vous devez être mature avant de rentrer dans le mariage. Vous devez connaître ça qu'on appelle mariage. Donc, quand les choses comme ça arrivent, Malachie 2, 16, là, il dit couvre là, c'est quoi? Ça va nous retourner dans le 1 Corinthiens 7, verset 4. Il a dit quoi? Le temps que vous pouvez, c'est verset 4 et verset 5. Le temps que vous pouvez séparer, c'est le temps que s'il y a quelque chose très très grave, très très grave, donc vous appelez les gens qui sont sages. Alléluia. Comme 1 Corinthiens 6 nous a dit, qui sont sages, qui sont chrétiens. Qui va maintenant rentrer dans cette affaire? Qui va arranger cette affaire? Alléluia. Ne va pas divorcer. Rien ne permet pas de divorce dans la Bible. Rien ne permet pas de divorce. Quand le Seigneur lui-même dit, tu ne mets pas la divorce. Il n'y a pas. Rien. Parce que quoi? Matthieu 18, il nous a dit, Jésus dit, sous 10 fois. Par jour. Est-ce qu'il a couché avec la fille là 70 fois par jour? Il dit tu dois pardonner. Tu dois pardon ton mari. S'il y a le vrai, quelqu'un qui connaît la vérité, qui est sage dans la parole de Dieu, il rentre dans cette affaire. Il va traiter cette affaire. Mais là, ça qu'il doit faire, vous savez, il y a le diable qui est dans cette affaire. Vous rentrez cette femme, si c'est un enfant de Dieu, rentre dans la prière agressive, vous chassez ces démons dans ta famille. Et pour détruire cette affaire, abomination. Alléluia. Et avant que cette chose arrive aussi, c'est pour ça que dans notre église, ils en ont de regarder et de nous montrer. Avant que cette chose arrive, va regarder dans cette famille bien. La famille de cette famille, il y a déjà abomination dans cette femme. Soit à côté de l'homme ou soit à côté des femmes. Il y a déjà une abomination dans les générations qui n'est pas traitée. C'est pour cela que ça doit arriver. Alléluia. Il faut protéger les enfants. Il faut protéger les enfants. Protéger les enfants. Écoutez ça que je vais vous dire. Protéger les enfants. Ce n'est pas vous qui va protéger les enfants. Ça que Dieu il demande. C'est votre mari, non? La personne qui fait ces choses-là, c'est le mari de cette femme. Tu l'as marié, et le mariage, c'est quoi? Vous avez entré dans l'alliance, jusqu'à la mort. La séparation, c'est la mort.
ce n'est pas que tu as libéré dans ce mariage. Ça, c'est un chaos. Alléluia. C'est on vous dit avant que les enfants soient venus. Alléluia. Donc, le problème maintenant arrive. Ton mari qui a dit de faire les choses là, tu penses qu'il est normal? Il n'est pas normal. Donc, tu ne sais pas dire que tu veux protéger les enfants et laisser ton mari de vous dire à rentrer l'alliance. C'est vous deux qui avez rentré dans l'alliance qui a amené les enfants là. Donc, tu dois chercher la solution. Le problème est avec ton mari. Alléluia. Tu ne veux pas dire que tu protèges les enfants, tu divorces. Tu divorces, tu vas à l'enfer. Alléluia. Parce que la Bible dit, dans cette mariage, s'il y a un problème, vous deux, vous devez chercher la solution de ce problème. Parce que ça qui est arrivé là, il a couché avec l'enfant que lui-même il a mis dans le monde. Ce n'est pas normal. C'est pour cela que la délivrance est très importante. Le vrai église, là où il va trouver les choses. La Bible dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sage au milieu de vous, qui connaît la parole, qui peut dire la femme là que, ah, là c'est une abomination. Mais ça vient dans votre fondation. Il va rentrer dans la prière. Dieu va lui montrer là où ça fait. Si ça fait le monsieur, il va maintenant approcher le monsieur avec la sagesse. Et ça qui a passé là, que tu as fait de faire là, dans ta famille, ça a été. Il ne va. Oui. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut faire des choses comme ça, qui ne peut pas être homme. Il ne peut pas être ça. Si il fait ça, il commence à marcher. Ça veut dire qu'il est déjà fou. Il est déjà fou. Il n'est pas normal. Mais si il fait ça, il nous dit, voilà ce que le diable fait. Le diable, il nous pousse des fois, on a dans les choses très très les bêtises. Mais le temps que tu vas, la personne il va revenir à lui-même. Il va voir que c'est moi qui a fait ça. C'est parce que le monsieur là, il n'est pas encore vu quelqu'un qui est sage, qui ne parle avec la parole de Dieu. Si il trouve quelqu'un qui ne parle avec la parole de Dieu, il va trouver que, j'ai fait ça. Comment Dieu fait ça? C'est pour cela que. Tu veux protéger les enfants. Non, c'est pas toi qui protèges les enfants, c'est toi qui protèges les enfants. Non. Ton mariage là, c'est très important. Le monsieur là, si tu fais le monsieur là quitter, tu es déjà condamné devant le Seigneur. Il n'y a pas une prière qui vous prie. Si tu n'es pas repenté, allez chercher le monsieur là et réarranger. Votre mariage, c'est jusqu'à la mort. Il n'y a pas de divorce. Alléluia. Quand une personne marie plusieurs fois quelqu'un, est-ce que la personne qui est en France ou s'il vient en France, il se marie avec quelqu'un, il a été le premier mariage. Est-ce que c'est la personne qui est en France, ou bien c'est la femme aussi? Si ils sont mariés, ils sont venus mariés, mais il n'est pas venu le pasteur, et le pasteur ne sait pas. Et il a marié. Il ne sait pas. Donc, le pasteur n'est pas le problème. Il n'est pas le problème. Il n'est pas le problème. Parce qu'il y a beaucoup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui cachent les choses. Ils cachent les choses. Ils cachent les choses pour le pasteur. Il va cacher. Et le pasteur, il prie. Ce n'est pas toutes les choses que Dieu va manger aussi le pasteur. Donc, cette affaire, Dieu ne peut pas condamner le pasteur. Parce qu'il ne connaît pas. Mais les gens là, ils sont déjà allés sur les condamnations. S'il n'est pas repenté, il est allé restituer. La restitution attend les gens là. S'ils sont les enfants de Dieu, et de Jésus-Christ. Et si le pasteur ne connaît pas, il n'est pas, Dieu ne peut pas les condamner. Mais c'est pour cela qu'on doit vérifier bien. Alléluia. Est-ce qu'on est obligé oui. de repartir retrouver son premier mari ou sa première femme? Alléluia. Donc, l'affaire de Dieu, s'il y a le divorce, peut-être qu'on ne connaît pas la vérité. Donc, il y a le divorce. Maintenant, on connaît la vérité. Dieu, il veut que la personne, il doit faire toute la possibilité pour avoir la communication avec notre partenaire. Alléluia. Voir la communication avec notre partenaire pour savoir, parce que
Maria, c'est que vous avez divorcé sans. Et tant que vous ne connaissez rien. Maintenant que tu connais les choses, tu dois faire l'autre là pour comprendre que je suis maintenant dans le niveau. Ce qu'on a fait là, c'est le péché devant le Seigneur. Tu ne connais pas le temps qu'on a fait ça. Donc toi, tu es comment? Et tu l'as besoin. Si la personne n'est pas dans le niveau, ou il va dans l'église, il dit qu'il est dans le niveau, mais il ne connaît pas. Peut-être qu'il commence à dire, laisse-moi, ça. Bon, fais-le comprendre. Fais la personne comprendre que. Voilà. Moi, je connais la vérité maintenant. Donc, Dieu nous a dit de retourner dans notre foyer. Donc, je suis prêt. Si tu es prêt, tu reviens en réconcilier notre mariage, s'il vous plaît, pour voir qu'on rentre dans le Seigneur. Mais si la personne te refuse, attends que c'est déjà sorti dans ta bouche pour lui dire les règles qui avaient passé dans votre vie. Parce que vous ne connaissez pas la vérité. Avant que vous avez dit ça, vous êtes dans la paix dans le Seigneur. Mais ça n'est pas paniquer, parce que vous avez déjà dit ça, que vous vous maintenant aller demander. Non. Vous l'avez déjà dit, et vous continuez de le dire, et continuez de prier pour lui. Parce que la Bible vous demande, dit le temps de cette personne-là, vous continuez dans la prière. Continuez de prier, et continuez de appeler Dieu. Chaque fois aussi, vous l'avez dit, Dieu nous a dit de réconcilier. Dieu nous a dit de réconcilier. Laisse ça que tu as fait de faire là-bas, même si la mariée est l'autre personne, dis-lui que ça là c'est immoralité, c'est fornication. Parce que la Bible dit, le temps que vous avez divorcé, vous ne devez pas marier. Alléluia. Ça veut dire que le deuxième mariage n'est pas institué au ciel. Il y a pas seulement le premier mariage. Il n'y a pas de deuxième mariage. On a déjà dit. La deuxième personne doit aller chercher une femme parce que lui, il n'est pas dans la vie. Il n'y a pas deuxième mariage, c'est, je vous déjà montré dans la Bible. Deuxième mariage, la mort. C'est la mort qui peut parmi. Il dit, vous êtes liés. Le mariage, c'est quoi? Lié dans une alliance. Et c'est quand ça qui peut briser, qui peut séparer cette alliance, c'est quand elle est morte. Libération pour l'autre. Si l'autre veut. S'il est encore jeune et il a dit remarier dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, 39. Remarier parce que la mort qui est arrivée à la personne, ce n'est pas une bonne chose. Remarier dans le Seigneur, c'est pour briser cette malédiction de la mort. Que la personne rentre dans la mariage maintenant, il va la paix. Alléluia. Et la deuxième opportunité qu'il nous a donné aussi, il dit, si. L'autre qui n'est pas quoi? Incroyable. Il dit qu'il a accepté, il voulait divorcer, il est parti. Que tu as pu essayer de faire toute la paix. Il refuse. Laisse-le partir. Il dit la personne n'est pas liée dans cette manière. Ça veut dire qu'il est libre. C'est des cas. Alléluia. C'est parce que tu as déjà fait la paix. Tu as fait tout pour voir que cette mariage continue. Mais il ne veut pas, à cause de toi, religion, à cause de tu as accepté Jésus-Christ. Oui, à cause de Jésus-Christ, toi avec Jésus, toi, va aller marier avec Jésus là. Je ne peux pas continuer avec toi. Alléluia. Et c'est pas évident aussi, dans la partie aussi que tu vas aller, tu pouvais une autre personne. Non. Non, il faut aussi rester calme. Je vous dis, la famille doit testifier. Tu dois avoir le témoignage de la famille. Et l'église et le pasteur et tout. Et tu vas d'abord rester, il va aussi assister dans la prière pour amener la personne. Et s'il ne veut pas maintenant, tout le monde va commencer à demander à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire. Dieu maintenant va parler. Si la personne est, il peut aller marier. Parce que si tu vas vite, celui qui a passé là, il peut raconter Jésus-Christ aussi. Après 2 ans ou 3 ans, il va revenir maintenant te chercher. Si tu as déjà engagé, c'est déjà le problème, non? La fête de mariage, ce n'est pas quelque chose pour jouer avec. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose pour jouer avec. C'est une alliance courante. Hein. Avant de rentrer, il faut réfléchir bien. Ne rentre pas n'importe comment. Mais quand le tribunal. Il n'y a pas la fête de tribunal de mariage. Non, c'est pas ça. C'est que la personne était là entre la vie et la mort. Oui. Et elle-même, à cause de son mariage. Oui, parce que son mari l'a tellement tapé
avec la mère, c'est toi, moi, dans le commun. Oui. Mais le tribunal, parce que la femme même n'a pas porté plainte. C'est l'église ou bien ses parents qui ont porté plainte. Oui. Et du coup, le tribunal a fait le divorce sans que les deux soient conscients, le mari. Et dans l'état, oui, l'ordinateur et tout, ils ont dit interdiction que ces deux personnes, c'est l'état qui a décidé ça. Interdiction de mettre ces deux personnes ensemble. Voilà, voilà, et il y a tout le groupe de médecins. Ok. Alors, qu'est-ce que. Ok, ok. Avant que cette situation arrive à ce point, hein, on ne sait pas les enfants. Avant que ça arrive à ce point, hein, il y a déjà des problèmes dans ce mariage. Il y a déjà des conflits. Il y a déjà des conflits. Ce n'est pas le premier jour qu'ils ont fait ça. Il y a déjà des conflits. Et oui, les gens qui ont déjà l'histoire, l'information et ce qui est en train de passer dans ce mariage. Il y a la femme il a caché. Il a caché jusqu'à ce point. C'est là où il a fait l'erreur. Alléluia. Quand le problème commence à arriver et tu vois que ce problème commence à augmenter, tu as le parent. Comment tu vas cacher les choses comme ça? Avant de frapper quelqu'un jusqu'à comment? C'est pas commencé cet jour. Donc, quand la Bible dit tout savoir, il a dit tout savoir comment cacher ton problème. Ce n'est pas que tu ne dois pas dire, tu vas aller dire, il a dit, hey, Corinthiens, ceci dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est sage au milieu de nous, vous? Et Jacques 5, verset 16, il dit quoi? Il dit, s'il y a le problème, s'il y a quelqu'un qui est malade, il dit, malade, ce n'est pas seulement quand quelqu'un il est au coma. Malade, si son foyer, ton foyer, il a le problème. Il dit, appelle aux anciens. Si ton mari commence à te frapper, et il y a le problème dans ton foyer, appelle aux anciens. Si tu ne veux pas, appelle tes parents. Si tu vas dans l'église, ça qu'on a fait parler là, c'est pour les Israélites de Dieu, c'est pas pour n'importe qui. Si ton église, c'est une vraie église, appelle. Ton église, il y a les salles à celle là-bas où ton pasteur qui va venir adresser cet cas avant que ça revienne problème. Si le pasteur arrive là-bas ou les assez arrivent là-bas, il voit que c'est un cas très très dangereux. Il va arranger comment faire parmi les deux, sortir d'abord. C'est la séparation qu'il dit. Ce n'est pas la séparation qui reste longtemps. Sorti pour commencer à chercher comment on va arranger cette affaire. Alléluia. Donc avant que ça arrive là-bas, ça veut dire qu'il y a déjà un rêve. Alléluia. Et donne aide au nom de Jésus-Christ. Et donne aide. Donc il y a déjà un rêve au commencement avant que ça arrive sur ce point. Donc on ne doit pas laisser comme ça. Il dit chercher des gens qui sont sages. C'est pas les gens qui parlent, que tu vas dire, il va aller analyser ça dans la vie de tout. Alléluia. C'est pas cet exemple. Alors, c'est les gens qui vont aussi vous aider pour couvrir votre situation et chercher comment arranger ça, pour fixer cette mariage encore. C'est comme ça. Et donc, aide au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prier parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Que Dieu nous fortifie, dans le nom de Jésus-Christ. Il y a un point de prière qu'on va prendre ici. Dans notre prière, aujourd'hui, dans notre suivant de jour, il y a un point de prière. Je vais vous montrer quelque chose encore. C'est dans le cadre du mariage. Que Dieu nous aide. Nous avons déjà pris un peu de temps. Il y a sorti un autre chose aussi. It's also in the marriage. Alléluia. Dans notre point de prière, on va voir le 110. La prière de l'Esprit, regarde ça qu'il nous a mis là-bas. Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Il dit, priez-vous, agressez-vous contre la fondation. Maintenant, il y a un point de prière. Il dit, enceinte qui est en scriptural. Enceinte. Il said, en scriptural manner of conception.
Numéro la prière aujourd'hui. La prière d'aujourd'hui. La prière d'aujourd'hui. 110. Il a dit, il y a une conception qui n'est pas scripturale. Vous avez déjà dit ça? Oui. Comment il a dit ça en français? De manière non scripturaire de conception. Alléluia. La sainte. La sainte, tu n'es pas marié, tu es enceinte. Il y a la famille que vous rate des hommes. Des gens, ils se jouent, ils couchent, ils font les enfants, ça. Marié, c'est un problème de fondation. C'est ça qu'on a dit de partir. Amen. You enter to some family, they will never get married. Everybody is having to pray. That's the point of prayer point. It's a problem of foundation. Foundational problem. On spiritual conception. Dans la famille, quand vous rentrez dans avant qu'il rentre dans le mari, il va coucher. Il couche dans la maison de leur père. Il couche, il fait les enfants parce que tu n'es pas encore marié, tu couches. Ça veut dire que tu as couché dans la maison de ton père. C'est un conception en scripture. Il n'y a pas dans la Bible. Dieu n'est pas parmi ça. Et vous voyez aujourd'hui que les gens ont été couchés, pas trop comment coucher. C'est conception en scripture. Alléluia. Et donc, c'est pour ça que quand on a fait des prières, étudier, on a besoin d'étudier tout le point de prière, on va voir ça qui nous touche, on frappe ça, frappe ça. Alléluia. On doit connaître qu'est-ce que ça veut dire. Point de prière, qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchir. Et si ça vous touche, frappe ça. Alléluia. Donc on va le dire deux fois, on va faire cette prière. Et tout le monde, tout est conception en structure dans ma famille, dans ma vie, dans ma famille, dans ma génération, soit éliminée par le sang de Jésus-Christ. Devez-nous l'avoir en prière. C'est un problème de fondation. Les gens rentrent, commencent de coucher. Faire les enfants sans mariage. Faire les enfants, les parents, le même souci. Les enfants, le même souci. Toutes ces générations, le même souci. C'est un problème de fondation. Plus cette fondation. Dans ma famille. Plus de tous ces mariages, c'est un problème. Je détruis. Et détruis les Jésus. Plus de tous ces jamais. C'est jamais de conception. La famille, vous l'avez dit non. Tout le monde. La génération sur génération. Les parents, les mêmes choses. Tout le monde, les mêmes choses. Lui, fais les enfants sans mariage. Donne la fête de copie de père. Les enfants commencent à faire la famille. C'est pas normal. Plus de tout ça du monde. Ça ne doit pas répéter encore. Maintenant, déclare la vérité. Je refuse toutes ces choses. Je refuse dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Je refuse. En sang de Jésus. I refuse. Every la confession. In my family, in my household, Lord Jesus. I destroy that demon. Je détruis cette puissance. Seigneur, purifie ma fondation. Dans la fête de mariage. Purifie ma fondation. Seigneur Jésus, aie pitié, Seigneur. Seigneur, merci. Par la grâce de Dieu, on va continuer un autre jour. Il y a la prière. Maintenant, la prière, c'est la prière qu'on va rentrer un autre jour pour attaquer toute cette affaire. Parce que notre mariage, Jésus doit recevoir la délivrance. Il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'erreurs. Quand j'ai vu ce point, c'est un autre point qui était lui qui m'a touché. Conception en scripture. Il n'y a pas dans la Bible.
pardon, tout ça qu'on a dit des fois aujourd'hui, coucher avant le mariage, coucher avant le mariage, coucher avant le mariage, coucher avant le mariage, c'est Dieu ne dit même pas, c'est fornication, c'est immoralité. Tous les gens qui ont des relations, tout ne pas repartir du don, c'est à l'enfer. Il y a des gens qui vivent même ensemble, sans mariage, sans rien, sont en train de coucher, 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 coucher. Et pour nous délivrer dans le Jésus-Christ. Et pour nous délivrer dans le Jésus-Christ. Seigneur, pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Délivre-nous dans tous les rêves. Tous les rêves qu'on a déjà fait dans le mariage, dans notre fondation, dans la vie, même les gens qu'on a dans le conseil. Même toutes les choses qu'on a déjà faites qui ne glorifient pas ton nom, qui ne marchent pas avec ton ordonnance, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Lave-nous, purifie-nous, aide-nous. Même les gens qui vont écouter ce message, aide-les pour réarranger et réorganiser leur vie, Seigneur Jésus. Que les enfants que tu nous as donnés là ne doivent pas rentrer dans cet terrain aussi. Seigneur Jésus, protège leur vie et couvre-les avec le sang de Jésus. Au nom du sang de Jésus, à vos prières. Amen. 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 C'est le temps de bénir le Seigneur avec notre digne offrande.